quand il m'a dit 4 ans d'enquête plus 20 ans de prison après la garde à vue. J'ai passé devant lui, il m'a dit 4 ans d'enquête plus 20 ans de prison. Et ça, c'est une phrase que je suis parti en prison avec. C'est une phrase qui m'a traumatisé. Tu ne l'as pas oublié, celle-là? Je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublierai jamais. Je regrette quand même accusé de choses que je n'ai pas faites. Le juge, il t'avait fait une promesse. Mais oui, il m'avait fait une promesse. Ah oui. Mais il n'a pas tenu sa promesse. Ben voilà. Et quand j'étais transféré de Loos à Longnes, il a transféré mon père d'Amiens à Fresnes. Il a tué mon père, il l'a détruit. Elle s'attarde sur ses aveux, ses fariboles, parce qu'en réalité, elles n'ont rien d'autre. Parce qu'il n'y a évidemment aucun élément matériel confondant. Parce qu'il n'y a aucune mise en cause sérieuse, parce qu'en réalité ce dossier repose sur un mortier mais sans ciment, que depuis le début nous le disons, que c'est du sable, que tout cela ça a été bâti sur le mensonge de Myriam Badawi, malheureusement relayé par des enfants victimes, cru par un juge qui en réalité pensait avoir l'affaire du siècle dans son cabinet. Pour ça, c'est ça l'affaire d'Outreau. Il n'y a rien contre ce jeune homme, absolument rien, sauf ses mensonges, ses auto-accusations, qui une fois qu'on les regarde, qu'on les analyse, ne tiennent pas la route un seul instant.